Nous sommes maintenant à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci beaucoup. Bonjour. Cette question s'adresse au Premier ministre. Deux semaines de cela, ce gouvernement a annoncé un projet de loi pour éliminer des péages sur toutes les autoroutes qui n'ont pas des péages, alors que ceux qui en ont, celles qui en ont plutôt, ne vont pas être éliminées. En promouvant ce projet de loi, le ministre des Transports a dit que les gens ont besoin d'économiser leur argent et qu'il va y avoir des péages inutiles en cours. Donc, ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce qu'il va appuyer notre motion de cet après-midi pour éliminer les péages sur l'autoroute 407? Réponse, ministre des Transports. Il y a deux partis qui ont toujours présenté ajouter des péages sur les autoroutes, les néo-démocrates et les libéraux. Tout ce que nous faisons en tant que gouvernement dans cette Chambre, c'est afin de réduire les coûts, que ce soit pour lutter contre la taxe sur le carbone, qui coûte entre 15 000 à 20 000 $ aux camionneurs par année. Ce sont des argent, de l'argent qui pourrait être préservé ou conservé plutôt par les familles dans leurs poches pour leurs enfants, leur éducation. Et en éliminant cela, cela démontre notre message à ce gouvernement et à l'opposition. Alors, c'est pour cette raison que nous allons continuer à construire l'Ontario et lutter pour éliminer cette taxe sur le carbone inutile. Complémentaire. Je vais focaliser ma question sur les péages des autoroutes 407 qui est sous-utilisée. Il y a eu un avion qui a atterri sur cette autoroute durant la journée, au beau milieu de la journée, sans problème. Les péages sont trop élevés. Les exploitants de cette autoroute ont dit qu'ils sont tellement élevés qu'il va y avoir des sanctions de milliards de dollars, mais ces fonds n'ont jamais été recueillis. Alors ma question, encore une fois, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis à cette association privée d'utiliser ces fonds et à établir ces péages de taux élevés? Réponse. Lorsque sept députés et les libéraux ont eu l'occasion d'éliminer ces péages, ils n'ont rien fait. Alors que notre gouvernement a adopté dans notre budget une opportunité afin que ce parti et ce gouvernement libéral précédent d'appuyer nos efforts pour éliminer les péages de la 412 et de la 418. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté contre cette motion et contre ces mesures, Monsieur le Président. Ils ne se soucient pas des camionneurs, des conducteurs. Nous voulons construire la 412 et nous avons présenté des mesures pour réduire la taxe sur le carbone à 10 centimes par litre. Ils ont voté contre cette mesure rentable pour restituer l'argent des contribuables, des familles qui travaillent sans relâche pour lutter contre cette taxe sur le carbone. Nous allons continuer à appuyer ces familles et ces automobilistes partout dans la province. Complémentaire final. Les néo-démocrates ont lutté pendant des années pour éliminer les péages sur la 412 et la 418. Et nous sommes fiers que cela ait été fait. Mais pourquoi nous arrêter à cela? Cela peut coûter 60 $ par voyage pour un camionneur. Alors que la 407 est sous-utilisée, les automobilistes sont coincés dans les embouteillages. Les experts environnementaux ont ordonné au gouvernement d'éliminer les péages sur la 407 pour les camionneurs. Le fait d'éliminer les camions sur les 401 et les transférer à la 407, c'est mieux pour les camionneurs et pour tous les automobilistes. C'est un changement de bon sens. Mais il y a eu plusieurs excuses qui ont été présentées de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre a tellement peur de faire face à ces exploitants privés de la 407? Veuillez vous asseoir. Ministre des Transports. À chaque étape, nous avions été présents pour les camionneurs, que ce soit pour la construction de la 413, pour éliminer les péages sur la 412, 418, pour réduire la taxe et lutter contre la taxe sur le carbone. Nous demandons à la députée de contacter ses homologues fédéraux afin de nous appuyer pour réduire les coûts pour les camionneurs, non seulement ces camionneurs, mais pour tous les automobilistes ordinaires qui vivent en difficulté en raison de cette taxe.
Donc, de ce côté de la Chambre, nous allons continuer à appuyer des mesures pour restituer l'argent des contribuables. Et nous allons également appuyer des mesures pour construire des infrastructures critiques comme la 412, qui est tellement nécessaire. Je demande à la députée de visiter nos circonscriptions à Mississauga afin de voir les engorgements routiers. Nous avons besoin de plus d'autoroutes et c'est pour cela que nous allons construire la 413. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Cela va prendre 10 ans et des milliards de dollars et ils peuvent adopter des mesures pour alléger les peines à partir de demain. La semaine dernière, nous avons posé des questions par rapport à leur décision d'offrir un contrat de milliards de dollars pour créer un système judiciaire numérique sans avoir permis d'autres compétitions pour ces contrats. Nous savons que qu'en Colombie-Britannique, il y a eu des résultats prometteurs, mais le gouvernement devrait savoir que nous ne pouvons pas copier et imiter un système judiciaire de la Colombie-Britannique en Ontario. En fait, leur système est moins complexe que notre commission de la location immobilière et donc ce projet a besoin d'un plan fabriqué en Ontario. Alors, au premier ministre, pourquoi est-ce que votre gouvernement a permis à ce que cela soit fait sans s'assurer que cela reste conforme aux besoins des Ontariens et des Ontariennes? Réponse. J'ai envoyé une lettre la semaine dernière à la chef de l'opposition officielle. Je ne suis pas certain si elle l'a lue, mais il est évident que cela serait un changement transformateur provenant de cette expérience de la Colombie-Britannique. Et donc, c'était dans notre budget de 2021, s'il l'avait lu. Ils ont voté contre ce budget et nous bonifions les services pour le public. Nous nous assurons que les gens ont accès à des services en temps opportun. Nous avions hérité un système brisé par le gouvernement libéral et nous avions eu des avis qui ont été livrés par papier, main en main. Et c'est à cause, en raison de leurs échecs, que notre système est dans cet état. Complémentaire, peu importe leurs idées, nous savons que nous sommes sur la bonne voie pour développer notre système numérique. Avant même d'avoir octroyé ce contrat à cette entreprise, il y avait eu des années de l'argent qui ont été investis pour créer une plateforme qui était censée être disponible en 2019, mais ce projet a été éliminé. Le gouvernement n'a donné aucune raison pour justifier cela. On dirait qu'ils ont utilisé cela comme excuse pour faire profiter cette entreprise privée. En raison de ces coûts salés par rapport à ce contrat, nous avons 26 millions de dollars ici qui ont été donnés. Donc, est-ce que nous avons économisé de l'argent en éliminant ce projet? Procureur général, merci. Je ne vais rien apprendre des néo-démocrates par rapport à comment agir. Nous passons à l'action et nous avons un système de la Colombie-Britannique, de nos tribunaux les plus petits aux plus grands, où il y a eu des milliers de demandes par année. Et je veux vous dire que ce n'est pas seulement une idée que nous proposons qui sera prêt. En fait, c'est déjà en cours. C'est parallèle à notre système. Et cela fonctionne. Et l'opposition a dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi différemment? Parce qu'on l'a fait de la manière qui est juste. Complémentaire final, il y a 53 000 personnes qui attendent leur audience à la commission de la location immobilière. Et ce nombre continue à augmenter. Des arriérés signifient que les Ontariens et les Ontariennes attendent des années, des mois pour leur audience et leurs instances. Et sous ce gouvernement, cela a quadruplé. Et ce tribunal gère moins d'instances chaque année depuis que vous êtes monté au pouvoir en 2018. Vous devez faire face à la réalité que la technologie est un outil et non pas un plan. Alors, ma question encore une fois au premier ministre, est-ce qu'il va arrêter d'investir au personnel et arrêter d'octroyer ses fonds? Procureur général, non seulement ils n'ont pas lu notre budget de 2021, ni le budget de 2022-2023. Nous avons investi, doublé nos investissements,
nombre d'arbitres plutôt. Nous avons recruté plus de personnel et les demandes ont augmenté à 31% comparativement à l'année dernière. Et entre 2014 jusqu'à ce que nous sommes montés au pouvoir en 2018, il y a eu un excès de cas non résolus chaque année sous le gouvernement libéral et avec l'aide des néo-démocrates. Alors, les faits sont importants. Alors, je ne vais rien accepter des néo-démocrates. Non, les taux d'arriérés réduisent sur un délai de 30 jours. Nous avons donné des outils qui fonctionnent, des métriques qui fonctionnent, et nous allons continuer à avancer vers l'avant. Merci beaucoup. Prochaine question, député Lynn Corbett. C'est dans ma question pour la ministre de la Santé. Last week, hundreds of people... La semaine dernière, des centaines de gens à Kingston se sont levés à 3 heures du matin pour aller se tenir debout 2 heures dans le foie pour accéder à des soins primaires. Comment est-ce que la ministre peut expliquer cela? Réponse. Vice-première ministre, ministre de la Santé. Alors que nous élargissons l'accès aux soins primaires, la députée sait que nous avons 78 nouvelles extensions d'accès aux soins primaires en Ontario. Donc, je comprends l'intérêt et l'enthousiasme à Kingston pour accéder à ces soins primaires. Évidemment, on aurait préféré que ces équipes peuvent, que ces personnes peuvent accéder au portail de l'Ontario pour être assignées à un professionnel. Mais à Kingston, nonobstant à ce que la députée a mentionné, dans le cadre de cette extension, nous avons un modèle, et je cite l'organisateur de cela, qui a dit que si vous voulez voir un infirmier praticien, vous allez le faire. Un médecin, vous pourrez voir un médecin. Vous voulez voir un fournisseur, un clinicien, un diététiste, vous pourrez le faire. Complémentaire. Merci. Malades, fragiles, des gens aînés, des personnes aînées qui ont attendu au dehors pendant des heures au mois de février. Cela se produit sous votre direction. Les médecins travaillent tout seuls, les infirmiers, les diététistes et d'autres. Vous avez reçu des solutions de centaines et centaines de communautés. Alors pourquoi est-ce que vous voulez seulement aider 78 d'entre elles? Monsieur le Président, nous avons triplé nos investissements. Nous avons 110 millions de dollars disponibles pour ces projets d'expansion en Ontario. Nous nous assurons que les gens peuvent accéder aux soins primaires des équipes multidisciplinaires partout en Ontario. Avec tout le respect que je dois à l'opposition officielle, le fait de suggérer que nous pouvons dire qu'on va seulement recruter des gens, il faut passer à l'action et nous l'avons fait grâce, par le biais plutôt de la ministre des collèges et des universités pour élargir le nombre de sièges qui est disponible pour la formation, pour former des infirmières et infirmières praticiens, des préposés. Nous faisons tout cela et nous allons continuer à le faire. Mais le fait de suggérer que ces 110 millions de dollars en investissement, 78 nouvelles expansions ne sont pas suffisants, nous allons continuer à travailler et vous allez continuer à voter contre cela. Je vous rappelle d'adresser vos commentaires par le biais de la présidence. Prochaine question, député d'Essex. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Comme nous le savons tous, la taxe sur le carbone est inutile et continue à faire augmenter les coûts de tout ce dont nous avons besoin au quotidien. Comme notre premier ministre l'a dit, la livraison de chaque produit dans la province fait face à des conséquences en raison de cette taxe qui est inutile, la taxe sur le carbone fédérale. Nous continuons à rester concentrés pour garder les coûts bas pour les familles ontariennes et les entreprises. Mais cette taxe nous cause du tort. Alors, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cette taxe sur le carbone continue à stimuler les coûts pour les Ontariens et les Ontariennes dans la vie quotidienne et ce qu'il faut faire pour
réduire ses coûts. Réponse, ministre de l'Énergie. Merci beaucoup aux députés des SEX pour cette question excellente. Cela n'a pas seulement un effet sur les coûts à la pompe, mais pour tous les coûts. Comme la ministre de l'Agriculture, elle est au courant de cela sur le secteur de l'agriculture parce que ses fermiers utilisent l'essence pour la livraison de grains, de produits aux épiceries et cela fait augmenter les coûts. La semaine dernière, nous avions eu un débat par rapport au coût de l'énergie et les néo-démocrates ont exprimé leur soi-disant préoccupation par rapport au coût à l'énergie. Nous savons que d'ici trois semaines, le gouvernement fédéral va augmenter cette taxe sur le carbone à 23 %. Et si la députée de cette Assemblée voudrait changer la donne, il contacterait Jagmeet et Justin pour éliminer cette taxe sur le carbone. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. C'est précisément pour cela que notre gouvernement a pris la parole pour lutter contre cette taxe sur le carbone jusqu'à la Cour suprême du Canada. Ce n'est pas juste que le gouvernement fédéral a ignoré les préoccupations des Ontariens et des Ontariennes qui a démontré que cette taxe continue à faire augmenter les coûts de réchauffement domestique. Et cela va s'empirer. Le gouvernement fédéral et l'opposition officielle, les libéraux et les démocrates veulent tripler cette taxe d'ici 2030. Et c'est intolérable. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi est-ce que les familles ontariennes ne peuvent pas accepter cette augmentation de la taxe sur le carbone que les libéraux et les néo-démocrates veulent forcer aux travailleurs de l'Ontario? Ministre de l'Énergie, Président, merci encore une fois aux députés d'Essex qui se préoccupent de ces électeurs pour que tout le monde puisse manger à la fin du jour. Pendant la question, un député a dit, bon, ça suffit, la taxe sur le carbone. S'il y a un parti dans l'Assemblée qui s'occupe de l'abordabilité, que ce soit faire baisser le coût de l'essence ou les péages sur les autoroutes ou les frais pour les plaques d'immatriculation. Il y a un parti seulement qui veut faire baisser le coût de la vie et c'est le premier ministre Ford et notre parti conservateur progressiste. Et c'est très simple. Le 1er avril, la taxe fédérale sur le carbone va augmenter encore une fois de 23 %. D'ici trois semaines, est-ce que les députés du NPD vont accepter ou est-ce qu'ils vont appeler Jagmeet et dire, exiger que Justin Trudeau interrompe l'augmentation afin que les gens puissent payer leurs factures? Arrêtez la pendule. Ordre. Question de député de Thunder Bay Superior North. Merci, Président. En décembre, le vérificateur général a identifié des soucis importants concernant la décision du ministre pour baisser les exigences pour avoir un permis de conduire. Il y a des chauffeurs qui sont formés sur une route seulement. Quelqu'un qui a le permis suspendu n'a pas suivi encore des cours. Le rapport du procureur général sont clairs. Le manque de contrôle des sites d'épreuves de conduite n'est pas suffisant. Quand est-ce que vous allez remettre les normes plus exigeantes du passé? Ministre des Transports, Président, notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité de tous les usagers de la route et l'Ontario a les routes les plus sécuritaires de toute l'Amérique du Nord à cause des nombreuses mesures que nous avons pour garantir que les routes restent sécuritaires. En janvier 2023, nous avons imposé les archives électroniques pour les voitures, les véhicules commerciaux pour améliorer la sécurité routière, mais il y a également la loi sur la
l'augmentation des amendes pour augmenter également les suspensions de permis de conduite. Et pour ceux qui ne conduisent pas avec prudence, surtout avec les courses de rue et puis les tours de voiture, alors nous allons faire comme d'habitude tout ce que nous pouvons pour avoir les normes de route, de sécurité de la route les meilleures du Canada. Question complémentaire. Mon bureau a reçu une copie d'un autre service du vice-président de Circle, l'entreprise privée qui est responsable de beaucoup de centres de tests de conduite où il y a des réussites fautives et manque de tenue d'archives. Non seulement les normes pour avoir un permis sont plus faibles, même ces normes ne sont pas rencontrées. Que fait le ministre pour garantir que toute personne qui reçoit un permis de conduire a été formée rigoureusement et qui est en conformité avec toutes les exigences? Ministre des Transports. Président, dans le gouvernement, maintient la sécurité routière la meilleure, au Canada et en Amérique du Nord. Nous avons les mesures les plus exigeantes pour les permis de conduire et ça, c'est à cause de notre engagement vis-à-vis de la sécurité routière et pour nous assurer d'avoir des routes sécuritaires. C'est pourquoi nous continuons d'avoir des lois comme la loi pour les mamans qui va augmenter les peines et les suspensions pour ceux qui ont une conduite mauvaise, non sécuritaire, et pour la saisie de voitures utilisées dans les courses de rue. Et je suis heureux de dire que les individus en face qui avaient la possibilité de renforcer les sécurités routières, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas soutenu pour augmenter la longueur des suspensions et l'augmentation des amendes. Mais nous allons continuer de défendre la sécurité. Merci. Une question suivante, député de Brampton-West. Merci, Président. Ma question pour le ministre des Transports. À un moment où le coût de la vie continue d'augmenter, le gouvernement fédéral aggrave la situation avec la taxe sur le carbone. Mes résidents me disent que ça coûte de plus en plus lorsqu'il y a la taxe sur le carbone qui fait augmenter le coût du carburant. Il y a beaucoup de familles qui comptent sur la voiture pour aller travailler tous les jours. Mais les conséquences de la taxe fédérale sur le carbone sont senties chaque fois qu'ils font le plein. C'est une taxe injuste qui fait mal aux familles tellement travailleuses. Nous devons continuer de soutenir les Ontariens, surtout à un moment lorsque le gouvernement fédéral nous tourne le dos. Est-ce que le ministre voudrait bien dire à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour aider le fardeau, enfin pour faire baisser le fardeau de cette taxe sur la carbone? Ministre des Transports. Merci beaucoup, Président, et au député de Brampton-West. Merci pour lui pour militer contre cette taxe sur le carbone. Le gouvernement fédéral va augmenter de 23 % la taxe sur le carbone, dont le député a raison. Il doit s'inquiéter pour les familles à Brampton qui ne peuvent pas payer cette augmentation. Parce que les gens sont punis pour avoir une voiture, pour accompagner leurs enfants à l'école, pour aller faire des courses, aller à des activités pour les enfants. Et donc, notre gouvernement s'engage toujours à combattre la taxe sur le carbone et nous allons également faire baisser le coût de la taxe sur le carbone de 10 cents le litre parce que nous voulons que les familles aient plus d'argent dans leur poche pour faire ce qu'ils veulent avec cet argent, que ce soit sortir avec les enfants, aller manger dans un restaurant ou des activités après l'école. Nous allons continuer de combattre la taxe sur le carbone. Une question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. Ça m'encourage de voir que notre gouvernement continue de défendre les Ontariens, de continuer de combattre la taxe fédérale sur le carbone. C'est très important pour les communautés à travers la province qui comptent sur les voitures pour aller travailler ou pour aller voir leur famille, leurs amis. Lorsque les Canadiens voient augmenter les coûts partout, le gouvernement fédéral augmente les taxes. Les gens ne veulent pas, ne peuvent pas payer plus pour faire le plein. Nous avons
fait preuve de leadership pour réduire le fardeau de la taxe sur le carbone. Le gouvernement fédéral ne le fait pas. Nous devons offrir une essence abordable pour toutes les familles. Est-ce que le ministre voudra dire comment nous protégeons les conducteurs contre cette taxe lourde? Merci, Président. C'est évident que les libéraux fédéraux sont déconnectés par rapport aux soucis des Ontariens comme à Brampton, Mississauga ou ailleurs à travers la province. Je ne peux pas croire qu'ils sont prêts à augmenter de 23 % la taxe sur le carbone. Ce n'est pas quelque chose que les familles à travers la province peuvent se permettre de payer. Mais il y a également un ministre de l'Environnement fédéral qui dit qu'il ne veut pas bâtir de nouvelles routes, autoroutes, malgré la croissance démographique record. Mais nous allons investir pour combattre la taxe sur le carbone, mais également pour bâtir des routes et des autoroutes. Mais nous faisons baisser le prix de l'essence avec de 10 cents. Mais nous baissons les frais pour les plaques d'immatriculation et nous économisons 125 $ par voiture ou camion. Pour rendre la vie plus abordable pour les familles et pour combattre la taxe sur le carbone. Question suivante, député de Parkdale High Park. Question pour le Premier ministre. Le racisme systémique anti-noir commande dans notre société a des effets négatifs sur la santé des Noirs ontariens. C'est un coût pour la santé mentale malgré la résilience des communautés noires, les organisations communautaires noires. On demandait à l'Ontario de reconnaître le premier lundi de mars comme la journée de santé mentale pour les Noirs, pour souligner l'effet du racisme anti-noir sur la santé mentale des Noirs. Pour le Premier ministre, il y a un projet de loi en ce moment pour faire cela. Nous pourrions l'adopter aujourd'hui. Est-ce qu'il veut bien s'engager à reconnaître la journée pour la santé mentale des Noirs en Ontario? Ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme. Merci beaucoup, Président. Merci pour la question. Évidemment, c'est dans le mois de l'histoire noire. Nous avons pu célébrer la communauté noire à travers la province et également le racisme anti-noir. Et nous avons pu célébrer les communautés noires. C'est pourquoi nous avons fait beaucoup d'investissements pour nous assurer que la communauté noire et que toutes les communautés dans la province de l'Ontario puissent progresser. Nous faisons cela avec le leadership du ministre du développement économique, créer des emplois forts pour l'avenir et pour le ministre des Transports, pour avoir des connexions entre les différentes communautés, connexions avec les emplois, les emplois qu'ils ont créés à travers la province. Et dans mon ministère, nous investissons fortement pour combattre le racisme anti-noir, pour promouvoir des communautés diverses. C'est une priorité pour nous sous le leadership du Premier ministre. Merci. Question complémentaire. Président, dans le contexte des efforts pour reconnaître la journée de la santé mentale des Noirs, c'est l'effet du racisme anti-noir sur la santé mentale. Les enfants attendent 2 années pour les soins. Et il faut plus longtemps si on est noir. Il y a également des urgences de santé mentale à travers la province. C'est plus difficile si on est noir. Le gouvernement n'apprécie pas l'importance de cette situation. Quelles ressources est-ce que le gouvernement va allouer pour offrir des services de santé mentale appropriés culturellement pour les Noirs ontariens? Ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme. Merci beaucoup, Président. Encore une fois, sous le leadership du Premier ministre, nous investissons fortement en tant que gouvernement pour combattre le racisme anti-noir et pour promouvoir nos communautés noires. C'est pourquoi j'aimerais faire référence à notre plan stratégique contre le racisme anti-noir. Nous avons investi 132 millions de dollars pour combattre le racisme dans toutes ses formes, surtout dans le contexte du développement économique. Nous soutenons les jeunes, les enfants et des initiatives contre la haine, également
des mesures pour anti-racisme à travers 14 ministères pour que tous les Ontariens puissent réussir. C'est un une approche pan-gouvernementale et nous en continuons de le faire. Merci. Merci. Question suivante. Député de Guelph. Bonjour, Président. Ma question pour le Premier ministre. La loi, il faut le faire, mais mal, pour la crise économique, crise climatique, imposer ces efforts sur les communautés pour remplir les poches des spéculateurs, des entrepreneurs, simplement pour trouver un endroit où vivre, non, sans parler d'être acheteur. C'est pour ça que le Parti vert veut égaliser le logement pour qu'il y ait plus d'opportunités pour les premiers acheteurs à acheter un domicile dans la communauté qu'ils aiment. Est-ce que le Premier ministre va arrêter d'éviter la discussion sur les solutions et va faire pour les gens, pas pour les spéculateurs, en soutenant mon projet de loi concernant le zonage inclusif et des logements abordables dans les communautés que les personnes aiment? Ministre du Logement, dès les premiers jours, nous cherchons à bâtir encore des logements pour les Ontariens. Ce qu'on entend typiquement de l'opposition, c'est encore des obstacles pour cet objectif, pour passer aux travaux. Tout comme le député d'en face, il est rempli d'un ex-caucus libéral qui ne fait que poser obstacles pour le logement. Nous avons un plan d'action pour le logement, le plus de débuts de lancement de logements, de travaux, le plus de l'histoire de la province. Et nous commençons à voir une augmentation des nouveaux logements. Et malgré les taux d'intérêt élevés, faute du gouvernement fédéral et puis la taxe sur le carbone, ce qui empêche beaucoup de gens de pouvoir acheter. Alors, nous allons rendre aux Ontariens le rêve d'acheter une maison, passer aux travaux et puis créer, bâtir encore des logements. Question complémentaire. Avec tout le respect, les gens en ont marre d'attendre que ce gouvernement propose des solutions pour le logement qui réussissent pour les gens ordinaires et pas les spéculateurs. Alors, où est-ce qu'on réussit le Guelph et sur la bonne voie pour réaliser son objectif? Kitchener également a dépassé son objectif avec des quatreplex légalisés et un financement vert avec 18%. Si 18% des logements existaient, ils en devenaient quatreplex, ce serait des millions de logements. Mais il faut empêcher aux spéculateurs d'agir. Je demande au ministre, est-ce que le gouvernement va dire oui, légaliser les logements, oui, aux quatreplex à travers la province. Ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Président. Lorsque moi je regarde qui réussit, je vois les conservateurs à travers la province de l'Ontario qui réussissent à faire ce qu'il faut. J'ai été heureux d'être à Brampton récemment où ils ont dépassé leur objectif pour le logement. J'ai été avec le ministre des Soins à long terme lorsque nous étions dans cette circonscription. Ils ont dépassé de 239% leur objectif pour le logement. Dans ces municipalités qui font ce qu'on leur demande de faire, éliminer les obstacles, réduire les taxes, passer aux travaux, émettant plus rapidement des permis. Ces municipalités qui ont suivi le plan d'action pour le logement proposé par le gouvernement, ces communautés réussissent leurs objectifs. C'est pas étonnant que là où il y a les libéraux qui dominent, je regarde Burlington, Mississauga, ailleurs, deux municipalités qui ne peuvent pas faire ce qu'il faut pour leur communauté, mais tout autour, on réalise les objectifs. Nous allons nous assurer, Président, que toutes les municipalités puissent réaliser les objectifs pour les Ontariens. Question suivante, député de Niagara-West. Merci, Président. Question pour le ministre de l'Énergie. Ce gouvernement a toujours dit que la taxe sur le carbone fait augmenter les prix. Nous utilisons tous les outils pour faire baisser les coûts et pour que les Ontariens aient accès à une énergie abordable et fiable. Le gouvernement essaie de réduire le coût de la vie pour les Ontariens, mais les gouvernements comme les libéraux à Ottawa choisissent qui va être aidé, qui ne va pas être aidé. Le gouvernement fédéral a annoncé une exemption, mais seulement pour le mazout de chauffage. Et donc, il y a frustration dans beaucoup
beaucoup de communautés, dont mes résidents, qui veulent essayer de chauffer leur maison avec d'autres sources d'énergie. Est-ce que le ministre voudrait bien dire à la Chambre comment la taxe fédérale sur le carbone a un effet négatif sur les Ontariens, comme dans ma proposition pour le chauffage de la maison? Ministre de l'Énergie, merci beaucoup aux députés de Niagara, excellent député de Niagara, pour une question excellente. Les libéraux fédéraux, évidemment, se sont rendus compte que la taxe sur le carbone fait augmenter le coût du chauffage, mais seulement au Canada atlantique. Il faut faire comprendre aux libéraux que cela nuit à tous les Canadiens, à tous les pays. Nous savons que le leader libéral, Bonnie Corbeil, soutient la taxe fédérale sur le carbone, le caucus également, parce qu'ils ont défendu cela dans l'Assemblée, parce qu'ils disent que les Ontariens sont meilleurs avec la taxe carbone que sans la taxe carbone fédérale. C'est incroyable que les libéraux en Ontario, qui ont poussé les Ontariens dans la pauvreté énergétique depuis 15 ans, et là, ils laissent leurs amis à Ottawa faire la même chose, rendre la vie inabordable, non seulement pour les Ontariens, sinon pour les gens à travers le pays. Une question complémentaire. Les habitants de Niagara-Ouest et à travers l'Ontario qui veulent être traités équitablement, le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour réduire le coût pour tout le chauffage maison à travers l'Ontario ou, encore mieux, éliminer cette taxe affreuse. Lorsque je consulte les familles, les entreprises dans ma circonscription, on me dit constamment l'abordabilité, c'est ça qui compte. Déjà, ils ne peuvent pas payer la taxe sur le carbone pour leur facture énergie, et pourtant ça va augmenter dans quelques semaines. Alors notre gouvernement doit continuer d'agir pour faire baisser le coût de l'énergie pour que les gens puissent allouer plus d'argent à ce qu'il faut pour avoir plus d'argent dans leur poche. Plutôt l'attitude du gouvernement fédéral. Que fait le gouvernement de l'Ontario pour que tous les Ontariens aient accès à des chauffages faibles émissions comme le gaz naturel? Ministre de l'Énergie, nous sommes en pleine crise de l'abordabilité, non seulement dans cette province, sinon dans le pays en entier. Et en grande partie, c'est à cause du fait que le gouvernement fédéral a imposer la taxe sur le carbone qui doit augmenter le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril va augmenter de 23 % qui oserait rajouter une taxe tellement énorme lorsque nous sommes en pleine crise d'abordabilité? Je peux vous dire, c'est les libéraux. C'est les libéraux en Ontario. C'est les libéraux au Canada. Soutenu par le NPD, et ils prennent la parole de temps à autre pour dire qu'ils sont du côté des Ontariens. Mais lorsque ça compte vraiment, comment est-ce qu'ils votent, Président? Il faut qu'ils prennent le téléphone pour appeler Jack Mead, appeler Justin pour dire pause sur la taxe sur le carbone qui va rendre la vie plus chère en Ontario et ailleurs. Une question suivante. Député de St. Catharines, merci, Président. Ma question pour le ministre de la Santé. Lorsque nous avons proposé une motion pour la couverture universelle pour la contraception, vous avez dit qu'une couverture pour les plus de 25 ans, les femmes plus de 25 ans, ce n'était pas justifiable, mais avec la proposition fédérale, nous voyons que c'est essentiel pour l'économie également. Avec la Journée internationale des femmes qui s'annonce, est-ce que le gouvernement va soutenir cette politique transformatrice pour l'équité des gens en garantissant qu'il y ait accès universel à la contraception pour un Ontario plus en meilleure santé et plus juste? Premier ministre adjoint et ministre de la Santé, je suis certain que le député d'en face sait que l'Ontario a un système robuste avec OHIP, mais je vais parler plus particulièrement du plan fédéral pour les soins pharmaceutiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Lorsque j'ai consulté le ministre fédéral mercredi soir, j'ai posé la question précise parce que nous devons savoir quel sera l'effet sur les programmes existants en Ontario. Par exemple, comme vous le savez, nous avons fait des annonces concernant la diabète. J'aimerais savoir si le gouvernement fédéral va, une fois adopté, va avoir un effet négatif sur les Ontariens
qui ont déjà un système très robuste. Question complémentaire. Merci, Président. Pour revenir à la ministre, attendez voir, dit le gouvernement. Ça veut dire ignorer les besoins des Ontariens. L'année dernière, nous étions champions de la contraception libre. Soulignons l'importance de cela pour tellement de femmes en Ontario, pour la santé, pour l'équité des gens, des sexes, et pour la morbidité, au lieu de simplement hocher la tête, ils ont quand même rejeté. Et avec un plan national qui s'annonce, c'est un signal de justice reproductif pour les droits des femmes. Est-ce que ce gouvernement conservateur va enfin donner la priorité au bien-être des Ontariens en s'engageant aux soins de santé universels, y compris la contraception, dès aujourd'hui? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député, ministre de la Santé, cette question souligne exactement pourquoi les Ontariens n'ont pas confiance en l'opposition. Moi et notre gouvernement, nous n'allons pas prendre des décisions basées sur des manchettes dans les journaux sortant de la bouche de Jagmeet Singh. Nous allons décider quel est le rapport avec les structures existantes en Ontario. Je ne sais pas si le député comprend, mais nous avons des discussions individuelles bilatérales qui doivent avoir lieu pour que ce programme s'applique. Et il faut avoir tous les faits, tous les détails, parce que de ce côté de la Chambre, les faits, ça compte. Ordre. Question suivante. Député de Don Valley East. Pour le Premier ministre, en Ontario, nous avons trois branches du gouvernement, législatif, exécutif et judiciaire. Le législatif, évidemment, c'est nous. L'exécutif, c'est le roi, représenté par le gouverneur, le Premier ministre, et puis le conseil exécutif, et puis le judiciaire. C'est un système de tribunaux indépendants qui interprètent la loi et appliquent la loi tout en protégeant leurs droits, les droits des citoyens. Le Premier ministre ne peut pas comprendre eux-mêmes en classe, en école élémentaire, les élèves comprennent. Il a nommé deux ex-membres de son personnel au conseil consultatif pour le judiciaire. Il appelle ça démocratie, mais c'est un effort pour saisir le pouvoir, qui est pour resserrer son contrôle du judiciaire pour gain politique et pour récompenser ses amis. Sans revenir sur les questions, pourquoi est-ce qu'il peut dire que deux ex-membres de son personnel sont plus qualifiés que des experts juridiques non partisans? Procureur général, vous savez, ça, c'est l'arrogance typique libérale qui nous dit comment fonctionne le système. Vous savez, c'est une explication typique. Et comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Les gens votent pour leur gouvernement et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi notre gouvernement est ici, de ce côté, et eux, ils sont là, de l'autre côté. Ils veulent que nous... les gens veulent que nous nommons des personnes qui vont protéger les communautés, qui vont s'occuper des intérêts des citoyens pour que nous prenions des décisions solides. Et eux, ils aimeraient faire appel à des idéologues de leur côté pour nous donner des conseils. Et je sais que c'est un fait. Et je vais en parler avec ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Président. Et comme nous venons d'entendre, il s'agit de contrôler les gens qui ont des positions d'autorité de longue vue avec l'ex-membre du personnel qui a été accusé d'interférer dans la ceinture verte. Et puis là, il y a des partisans du gouvernement qui sont nommés pour le conseil, pour le judiciaire. La vie est plus bizarre que la fiction. Si le gouvernement doit appliquer les lois pour faire justice, pas en essayant d'avoir ses amis. N'importe qui pourrait être devant un tribunal un jour. Même le Premier ministre, il faudrait qu'il ait confiance que les juges ont été choisis pour leurs compétences, pas pour les idées politiques. Alors que vous soyez entrepreneur ou spéculateur qui essaie de... au Shoppers Drug Mart ou Loblaws ou
ou quelqu'un qui a des liens politiques. Le premier ministre a toujours les mis en tête. Est-ce que le premier ministre va arrêter de travailler pour ses amis et commencer à travailler pour les Ontariens? Procureur général, merci, Président. Donc, voici ce qui se passe, Président. C'est que le gouvernement du jour, que ce soit quel que soit le gouvernement, à des personnes nommées sur les comités et également nomme des juges nommés par d'autres. Ils reçoivent des demandes et puis le gouvernement étudie les demandes et fait des recommandations au procureur général qui recommande au cabinet. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que la personne a été nommée, là, ils peuvent avoir leur indépendance judiciaire si nous voulons. Le rappeler, l'indépendance judiciaire commence au moment d'être nommé, pas au moment de la sélection. Donc, je ne vais pas prendre des leçons des libéraux qui ont des donateurs comme membres du comité depuis des dizaines d'années, qui ont nommé 47% des juges nommés en 2017 étaient des donateurs au gouvernement, au Parti libéral. Alors, s'il vous plaît, question suivante. Député de Newmarket, Aurora. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. La taxe sur le carbone punit les individus très travailleurs, les entreprises, les agriculteurs qui produisent des aliments de qualité pour les familles à travers l'Ontario. Depuis la taxe sur le carbone, les coûts de production pour les agriculteurs, pour les opérateurs de serre, ceux qui font du traitement des aliments ont triplé. Toutes les livraisons de chaque produit pour la consommation est touché par cette taxe punitive. Ça fait augmenter le coût des transports, des grains, des engrais, le coût de transporter les fruits et légumes vers les marchés. Président, est-ce que le ministre voudra bien expliquer quel est l'effet de cette taxe nuisible et régressive sur notre secteur agricole? Culture, food and rural affairs. Très bien. La députée de Newmarket Aurora a parfaitement raison. Alors, elle a très bien compris ce qui se passe dans sa circonscription. Cette taxe sur le carbone des libéraux est en train de nuire à toute l'industrie alimentaire. Eh bien, c'est une taxe qui fait que le coût de production ne monte en flèche. Vous savez, il y a un cultivateur qui cultive des poivrons et c'est 30% de ses revenus qui sont voués à la taxe sur le carbone. Et ses coûts étaient de presque 200 000 $. C'est 200 000 $ pour cette seule activité. Merci et merci au ministre de sa réponse. Il est bien clair que la taxe fédérale sur le carbone nuit beaucoup aux agriculteurs. Beaucoup doivent payer des milliers de dollars de plus en facture pour le gaz naturel. Ils méritent mieux que cela. Contrairement aux libéraux indépendants et l'opposition, notre gouvernement reconnaît les effets nocifs de cette taxe partout en Ontario. Tous les députés doivent se joindre à nous en demandant au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe. Cet impact a tant d'effets sur les cultivateurs et leurs familles et les familles de la province. Minnesota. Eh bien, 2,5 millions de personnes ici. On dit que si ça augmente, ce sera la même chose qu'ils paieront. Non seulement le coût de la nourriture,
Mais le coût de l'énergie, vous savez, chez nous, la taxe sur le carbone a augmenté nos factures de 17 %. Et le ministre de l'Énergie l'a bien dit, que si jamais ça augmente, comprenez-moi bien, dès le 1er avril, le chauffage de la maison va augmenter de 15 cents. Alors, je vais consulter mes chiffres. Au 1er avril, il y aura 15 cents de plus par mètre cube de gaz naturel. Et vous savez, ça veut dire c'est 17 cents par litre. Alors, ça va toucher l'Ontario tout entier. Je demanderai aux gens qui protestent cela de l'autre côté de la Chambre d'y penser. Il faut supprimer cette taxe. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre de la Santé. Les gens du Nord doivent souvent se rendre ailleurs, se déplacer pour avoir accès aux spécialistes. On a bien compris, les hôpitaux sont ici, mais il y a quelque chose qui est une subvention pour les gens du Nord. On est remboursé pour la chambre d'hôtel si on doit se déplacer loin. Le remboursement est de 100 $ la nuit. Je demanderai au ministre de nous donner une liste de ses collègues avec des hôtels par ici où on peut louer une chambre pour rien que 100 $ par nuit. La députée d'en face sait que la subvention fait partie d'une série de programmes qui assurent que les gens puissent avoir accès aux soins nécessaires. Mais nous créons de nouveaux immeubles partout dans le nord, dans le sud-ouest et en Niagara, etc., pour que les gens aient un meilleur accès. Il y a d'autres questions sur lesquelles on travaille pour assurer que les soins primaires qui sont critiques, c'est de s'assurer que l'on conçoive les programmes comme il faut pour améliorer l'accès, mais on ajoute d'autres choses à cela. On veut que les gens du Nord et du Sud aient accès à ces soins. Et c'est une expansion de nos programmes concernant les examens. Finalement, on a des programmes nécessaires pour assurer les soins aux gens. Question supplémentaire. Les faits comptent, comme l'a dit le ministre. Il est impossible de louer une chambre d'hôtel près d'un grand hôpital pour 100 $ la nuit. Alors, les gens du Nord n'ont déjà pas accès un accès équitable. Et les coûts de déplacement, évidemment, c'est loin d'être ce que ça coûte réellement. Mais le gouvernement refuse de changer cette subvention. Et je leur demande tout simplement pourquoi. Pourquoi les gens du Nord n'ont-ils pas le même accès aux gens du Sud? Eh bien, nous avons apporté des changements à cette subvention, dont une qui rend plus facile de devoir couvrir d'autres frais avec l'accès en ligne. Nous reconnaissons que ça coûte cher, mais le député d'en face doit convenir qu'élargir l'accès aux soins primaires et à toutes sortes de gens dans les communautés assure que les gens n'ont pas besoin de se déplacer comme ils ont dû le faire historiquement. Merci, Monsieur le Président. Question suivante, député de Chatham-Kent. Une question pour le ministre des Richesses naturelles. Cette taxe sur le carbone ne fonctionne pas. Ça ne fait qu'augmenter les coûts pour les biens, les services pour les gens de l'Ontario. Alors, le secteur des richesses naturelles a vu augmenter les coûts de produits pour tout ce qui est construction
ces coûts n'ont fait qu'augmenter. Il y a des coûts plus élevés pour tout le monde et pour tout. Alors, normalement, on expliquait que la taxe sur le carbone, c'est quelque chose qui touche les consommateurs à travers l'Ontario. Question. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci au député pour cette question. J'ai eu l'occasion d'en parler. Mais parlons de chaque chargement de gravier de l'Ontario pour bâtir les écoles, les hôpitaux, les communautés. Il nous faut absolument avoir ce gravier. Et chaque fois, de chaque endroit où on le mine, ça coûte cher. Les politiciens s'ils appuient le logement abordable, il faut un prix abordable pour le sable et le gravier. Nous voulons qu'ils mettent fin à cette taxe. Et le 1er avril, tout deviendra plus cher. On demande aux députés d'en face de faire comme nous. Faites ce qu'il faut pour l'Ontario, pour qu'on puisse bâtir l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Les carrières dès que ces compagnies de gravier ont été très touchées par la taxe sur le carbone. Il y a donc des coûts plus élevés pour les combustibles. Et les services de richesse naturelle sont tous touchés par cette taxe. Ils ont besoin maintenant de notre soutien. Et il faut ne pas appuyer cette taxe qui ne fait que punir tout le monde. Pourriez-vous nous dire comment la taxe sur le carbone a tout un effet nuisible sur les activités en général de notre province? Merci à mon collègue pour cette question. Nous voulons bâtir un meilleur Ontario. Mais les gens qui créent des emplois, eh bien, ils ont besoin de l'aide pour cela. Il faudrait que tout le monde téléphone à Ottawa pour dire que la taxe sur le carbone fonctionne mal pour l'Ontario. On continue à vouloir que le message soit clair. On veut bâtir l'Ontario. Mais ce qu'il nous faut pour cela, eh bien, tout est gâché par cette taxe sur le carbone. Et vous savez, le transport par camion, justement, c'est un cas en question. Nous voulons bâtir l'Ontario. On ne peut pas le faire quand on est affecté par cette taxe sur le carbone. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Après ce matin, vous avez parlé d'une loi pour la loi sur la santé. Je n'ai jamais parlé à un seul Ontarien trans qui croit que cette question fonctionne bien ici. Mais pendant le débat, jeudi, les députés du gouvernement ont dit qu'ils ne vont pas appuyer ce projet de loi. Je leur dis que s'ils votent contre, ils votent contre les membres de leur propre communauté. Ils votent contre des commettants et même parfois les membres de leur propre famille. Les personnes trans et diversement sexuées ont besoin de respect comme tous les autres Ontariens. Est-ce que le gouvernement va dire clairement s'il croit que ces soins pour les personnes de cet ordre sauvent en fait des vies? Merci. Il ne fait aucun doute que tout Ontario mérite d'avoir confiance en les soins qui leur sont disponibles. Nous voulons expliquer des gens en particulier qui ont besoin de ces besoins spéciaux, par exemple les trans. Nous parlons
d'un comité avec le député d'en face, mais nous investissons dans ces soins primaires qui fournissent les services sur place. On veut s'assurer que tous les gens de l'Ontario, quelle que soit leur façon de s'identifier, aient accès aux mêmes soins. Merci. Je suis déçue par la réponse de la ministre, mais ça ne me surprend pas. Au lieu de noter que ces champs de soins sont essentiels pour les trans-ontariens, en fait, ils disent que ces gens ne comptent pas. Leurs vies sont sans importance. Depuis les années, on voulait élargir la couverture pour assurer que les Ontariens n'aient pas besoin de quitter la province pour se sauver la vie. Évidemment, ils payent de leur poche et ils attendent des années pour recevoir les soins spécialisés qui leur conviennent. Il faut qu'ils soient respectés quand ils voient un professionnel de la santé. Ce n'est pas le cas maintenant. On veut assurer que ces soins pour leur santé soient égaux pour tous. Au Premier ministre et au ministre de la Santé, ce genre de soins, c'est le même projet de loi qu'autrefois. Pour qu'ils n'ont pas à appuyer les droits de ces personnes à ces soins. La ministre de la Santé, vous parlez de créer un comité. Nous parlons d'action véritable qui va assurer ces soins. Est-ce que le député d'en face veut proposer que l'expansion de ces équipes de santé familiale ne rende pas un service particulier en pensant à toute la communauté? C'est un bon placement. Je ne veux pas continuer à bavarder là-dessus. Je voudrais qu'on agisse. Merci, Monsieur le Président. Voilà pour la période.